Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité, sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola, pour faire vibrer le Stade des Martyrs, ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Merci Lendi Malamu na bino nyoso esika bozali ba Congolais ya motema molamu ba Congolais ya motema mabe to pesi bino mbote Lendi ya lelo to banzi ete weekend leki malamu Lendi 19 juin et bien na koma mona exercice moko ndere chaque dimanche zaka soit fête des parents soit fête des pères soit fête des mères chaque dimanche zo nyoko la ba koko na biso na ba bote na biso chaque dimanche fête des mères chaque dimanche fête des pères chaque dimanche et bien sûr c'était au fait à mon dernier topé si ma casse la bâtonnier sur babana qui week-end et l'équipe Jimmy Carter vio et assis à qui célibataire si les sur côté sur l'anda ou à l'ibana se comporté bon yo côté de yon au bali pour votre le bagarre à la sera sans la yon au côté d'un 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 se comporter moi bien l'ibana à la maman comme vous l'ingo zaké belle et en vous aïe dans l'ibanda aux impôts à papa ça la gâteau moment mais mais n'a yo tango balani bo papa ko mona na te po ake ko luka so na posa mo bala vanda ka vanda ko mi fo luka o bala chomer a ko pela ka peta luka ke loko te wana bana tongo zo mona na mi do zo mona 12 heures ma so mo bal asa lo kola ba bele do e boya zo ke ndazo ko luka mo mona ka eto moma ezate donc bino ba to bala na ki na weekend to kanisi ete bo ko leksa ba ngonga malamu bo za na mo ata ko pema bo ko leksa ba ngonga malamu elongo na bakuple na bino nzamba kimbangwa pesa bino makasi ya batela bino pe bobota bobota bobote bele botondisa Congo na hymne national na biso ezalaka toko peuple Congo yo tokotondisa yango Joseph Kabila mokolo ya vendredi ayambaki tour à tour ba communicateur ya FCC ba chef de parti ya FCC ayambaki pe na ndenge na bango moko ba ndeko ya PPRD donc moko te fité na kati mais oyo bimi mwa moke zaka Joseph Kabila lobi ka zansu na contact na Félix Tshisekedi te depuis faire coalition FCC cash appelé peuple na résistance ya bi face à multiples violations à constitution peuple faut résister hier ko se prononcer kala mingi te peuple faut résister a ko résister ndenge nini a ko résister na tina nini a ko kamoza ke bande ko basale kuna pa pesi biso te exemple mon côté ya violation à constitution mais o le ba mikuna na résumé angwana violation face à la multiple violation à constitution peuple single na yi a résister to kolobela ngona émission na biso ya mokola lelo matata ponya ko voyager toi ko voyager te enfin voyager ki mokola lobby a kena ngambo a sa république démocratique du Congo samedi to vandika ka bo matata ponya tweeté au babotole cadre de sénateur naé va empêcher à voyager après ça déjà m'a communiqué à l'obité ma tata pogno a refusé de se conformer na simanango ma tata pogno à l'obité hors de route qui n'est la hiérarchie donc la présidence de la République quoi bloba empêcher à voyager présidence pas communiqué à l'obité yebi ma kambo anate ton dimela nani na cadre à faire toi là enfin ma tata pogno mon collègue à l'obité dimanche à zoa qui peut pour pas qui na ngambo est azo sala ba tourner na ye lokola candidat président lokola moto abwanya pe a mayele ya République démocratique du Congo aza kokabola makanisi na ye na bonne gouvernance na gestion na mboka na biso tokolobela yango na émission na biso ya mokola le Congo central Kinshasa fièvre l'assemblée provinciale na ngambo ya Congo central président assemblée provinciale esengeli ya kende retrait de confiance 31 députés ba signé retrait de confiance et pas président de l'Assemblée provinciale, va reprocher Makambo Bele, Balobi Mbuta, moi Bidjoa Djoa, moi Bikanga Kangamoua Mbongo Abatu. Mais na Kinshasa, de marche, Moko, ils allaient déjà déclencher pour la recueil sa présidente de l'Assemblée provinciale, plénière, il faut salama. Tamsousou le loto, lobby, mais na Yoki Basangoda nous va notifier président de l'Assemblée provinciale. Plénière, il faut salama entre le loto, lobby, tout le monde est en train de se faire.
Qu'en est-il des questions où le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa a tout naki na gouverneur? Mola Vanel, l'exemple, non, moi qui l'ai gouverné, pas le président de l'Assemblée provinciale. Gouverneur, le binga soko bundi singaï, n'aba bundi saranga, soko bundi saranga, souka mabe, tomé sanaki na lika moko mabe, bakino tomi tuna motuna. Est-ce que vice-gouverneur Néron Mbungumbungu a bundi saka gentini ngobila? Toi, le baba a renom, kin bopeto, ezali, sans un projet, plutôt sans projet moko bien construit, kin bopeto, zaraka bongo, tozo kene bongo. Sans montage financier, moko conséquent, il va permettre que tu exécutes Ango. Est-ce que le rombongo a bundi sa rangobila pour gouverner le Kolobagenga, ce que le bundi singaï? Est-ce que Mituna, au président de l'Assemblée provinciale, a tout ni la gouverneur? Ils allaient qu'au bundi sa yé? Toyeba. Ce qui va à ma cambozan à mon lit, toyebite, ils allaient. Ou en état, ils allaient. Mais eux, ils mis sur la place publique, ils allaient. Une gestion opaque. Ma cambozan. Est-ce que la qui a un problème personnel? Il semblerait que Mercedes-Benz, l'autre on appelle Mercedes, va comme rater Mercedes, va comme ma McLaren. Nous avons noté d'où Jésus, va comme Mercedes, c'est la documentation en gros. Va comme ma McLaren Mercedes. Au moment va comme ma Mercedes, hein, nous la confirmation en gambo Allemagne pour la dossier où il y a assemblage à la République démocratique du Congo. Il semblerait que Mercedes, la direction générale la bango batelle ba comme le gouvernement congolais pour apekisana usine ndeko a riche à Longola fabriquer en RDC. Mes documents dans mon ngo ce qui me dit que ça qui va comme Mercedes ba comme ka McLaren. Donc dans ce il un peu ba confirmation moyenne avec le solo na ndenge singeli penza exacte soit ba confirmation au cours de l'émission tu remarquer un peu qu'on évoquer ngo mais ce qui était tu retiens quoi d'Afrique, tu relèves l'angomba la cima. Ah, Léopard a zongi CS5, on a libota. Léopard, 2-0. Score final, il y a match, il y a lobby. Merci à staff technique Mobimba, merci à ma joueur. Merci à la ministre à sport. Mais normalement, le match, on a besoin de faire des bêtes, mais fièvre, les alagues avant match. Tondi, ma capé, ministre à sport, à Zosala. Aïe, à Zosala. François Kaboul, au moins, à Kaboul, excellence. Azo sala ba résister zo monana. Alors ben la mine information coach azu adresse coach abanako za kananda kwa wate. Ya ngomeli coach za kozo sélectionneur za kozo toujours libanda mais enfin sélectionneur azu adresse awa sur le boulevard. Adjoint na ye azu adresse sur le boulevard. Mbongo ya sélectionneur na biso e futa minyongo zate bazo buna na sikoba futa ba ya ba nationaux ba futa bango au moins musale zo salem. Mais DSMP vidéchi manga sokala leki na dérin ba problème bota makaka ya toure koza somo na sisa ko fouyer dossier on a ko bazali ya za ngi mingi na beledo vidéchi manga na mona ba ngi mingi sokuta ba ngi na pullman mona ba ngi ba pemeni pembeni mais sokala leki na dérin ba na imana problème moza na dérin wana soye za somo na ko ba ngi na so na faire semaine des invité ba koza na biso mo ko la lelo le ta ke gotier se ya kota ka du Jésus beledo na pe si mbote Mbote ndeko kalafai esali mwa mbote pe na bayi bako landa biso esali mwa mikolo na leki na Kongo ya bitena emission na yo ezali esengo pona ngai kuyawa inakwe ina nouvelle ya malamu une collègue une amie une sœur qui s'est mariée Sandra Mbombo. Sandra Mbombo. C'est une grande fierté pour la famille Congo Web et pour nous ses proches ses amis et donc bon vent à elle et bon ménage. Merci. Moi, un mot à le Victoire à le pas. Oui, Moni Makambo Tiboloba, c'est vrai, on félicite. On a vu une équipe, finalement une équipe. Mm-hmm. Parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que Léopard ça l'exploit à 2-0. Là. Mais seulement, on a beaucoup plus émotif. Mm-hmm. Tous ceux qui jettent des fleurs aujourd'hui, demain, s'ils sont déçus, ils risquent de changer de discours. Mm-hmm. Alors moi, je n'aimerais pas prendre l'angle et abattre au les motifs, au CPLA. C'est vrai, c'est une victoire, il faut au CPLA. Mais il faut constituer une équipe finalement. La plupart des joueurs, ou Betty, te découvrir Bango. Pour la plupart, il y a Congolais, te découvrir Bango dans le terrain. Ouais. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Tshibola. C'est vrai que... C'est vrai que Zaraza déjà titularisé. Voilà. Et Batébélé, Bango découvrir.
Alors, il faut maintenant créer une équipe. Parce que jusque-là, on n'avait pas une équipe constituée de Nizalaka, et c'est bien. Et je crois que, puisque les coachs sont sur place lui-même, et puisque l'équipe, on a vu les quand même adresse, il faut féliciter une formation. Il faudrait maintenant travailler sur l'équipe et sur un jeu, il y a Léopard. Parce que je crois que ceux qui sont en bas, 11 pénales, il y a bien, on te dit qu'il y a une équipe Nabissou Amou au national, ça peut nous aider déjà à... Mais quant au ministre Kaboulo, je crois que beaucoup de courage. Il n'y a pas que le sport dans le football dans les sports. Il y a d'autres disciplines. Il faut la Moussaïro. Moi, j'ai fait beaucoup plus mention au Tour cycliste, qui est un grand rendez-vous qui vend le pays. Mmh. Et d'abord sur le plan infrastructure, qui vend les pays sur le plan organisation. Et donc, c'est très important, comme pour dire, le tourisme en RDC, c'est possible. Il faut redynamiser au-delà de l'aspect athlète. Il faut redynamiser la discipline au Tour cycliste. Je ne sais pas. Pourquoi on n'a plus d'édition comme ça, la fois passée, je crois, en 2018. Oui, c'est un préparatif, t'es... Oui, mais en 2018, je crois, moi, j'ai eu l'avantage de travailler aux côtés de Jésus-Noël Cheke, qui a organisé, qui a eu l'événementiel, il y a Tour cycliste, et moi, j'avais piloté l'événementiel, là-bas, départ, arrivée, Nyonso, etc. Et c'était une activité qui m'a beaucoup enrichi, parce que, un, vous rencontrez des athlètes venus de tous les pays du monde. Ça, c'est cette diversité culturelle. Il mangeait dans des restaurants congolais. Il se promenait. Batali culture, la biso, batamboli, banana grand, bakabani, bakongo mobimba, bakéi bandundu, bakéi kisangani, tokéi, etc. Et donc, c'est sur des expériences comme ça qui rapportent. Et ça rappelle un miroir et un boka parce que c'était sponsorisé. Et donc, c'est comme ça que je vais demander à l'excellence Kaboulo, moi, la Kaboulo, courage. Il faut veiller à ce que les tout soit à l'ordre, surtout la RTNC. Et c'est là où on a aussi la Marambouana. Mm-hmm. Comment expliquer qu'il y a un match aussi important au Bétama? Même chef de l'État. Même chef de l'État, parce que on peut te dire que le canal, il y a bouquet, 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 il y a intérieur, il y a bouquet, il y a Kinshasa, etc. Mais le Congolais, il y a bien, il y a côté, il y a un côté, il y a cravate, il y a un, alors qu'il y a un match aussi important qui se joue. Et je crois que ça a dérangé. Qu'est-ce qui se passe dans la RTNC? Non, c'est ça. Ceux qui ont lobby, ma Kambouana, on risque d'être traité de haineux, etc. Non, je me souviens, c'est très important, je me souviens d'un certain Koukou Mamengi Pandou, paix à son âme. Il a été suspendu par le simple fait que événement Mokozaki dans l'est du pays, je crois que c'était une catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle, Mokozaki. Salamaki. Éruption volcanique. Et voilà, volcanique. RTNC, abandonne ça, émission Mokoboye, ceux qui ont santé, émission Mokoboye, musique, ceux qui n'y c'est un samedi. Voilà, et c'est lui et c'est le directeur des informations qui a été suspendu sur ordre, je ne sais pas qui, et c'est jusqu'à ce que ça a emporté le vieux est parti. Et maintenant qu'on suivait. Je suppose que 70 millions de Congolais ou 50 millions étaient braqués sur la RTNC. Mmh. Du coup, on est aussi à match, Bokati, Bouti, la Miso Batoubalati, Bakravat, Bakolobaka. Et pour une nation comme la République démocratique du Congo, c'est une insulte. Mmh. Et donc, le dire, c'est aussi aider le pays à avancer. Mmh. Il faut mettre du sérieux à la RTNC. Il ne faut pas que les gens ne soient là que pour parler argent, primes, etc. Mais il faut aussi faire le boulot. Je ne sais pas, il y a les aléas du direct qui peuvent arriver, mais dans les cas d'espèce, c'était une insulte. Un souci technique. C'était une insulte. Souci technique, mais qu'est-ce qu'on attendait sur le plan technique pour réparer ou prendre des dispositions? Voyez-vous? Et donc, dans un pays sérieux, ça ne tient pas le coup. Et ça, la France, Azobeta contre l'Allemagne, un grand rendez-vous comme ça, la télévision nationale qui doit diffuser le football, bah quand il n'a pas bah tiens bah Djomo bah là tu vas faire c'est Baro Solola. Mais Baro Solola va en Basse-Fort. Mais Baro Solola peut sortir à la montre et pendant que Baro Solola bille écoute. Donc avec les Congolais, c'est le même discours. Batali bille là la rediffusion. Ming bah Congolais Batali bille là la rediffusion et ça ne fait pas sérieux. C'est là où j'ai dit au ministre Mouya, il faut vraiment être très regardant, autant qu'on a vu qu'on a suspendu un directeur paix à son âme parce que il n'était pas là, je ne sais même pas si c'est lui qui devait être. Samedi à 22h, je crois. Voilà, il faut vraiment aussi, cette même rigueur-là, il faut l'appliquer aujourd'hui pour que ceux qui étaient censés laisser aux Congolais voir le match, au Bakatagibiso pendant 20 minutes, vont être sanctionnés, ça sera aussi disciplinaire et les Congolais seront satisfaits.
Merci bande koya tenzela makambo akanda te. Tu na 21e siècle. Ya mbola ki saki biso na moni mama DG na mikira ba paya lo signer ba protocole d'accord au matériel. Soit to ke boy match za kole bongo ja francophonie zo ya abo. Ko to ko ba mona ka o zoazo. A vous et mon anité so a vous wana. Gotye sei na pesi open bota. Mbote ndeko trésor Karafay. Mbote na mninga na ngai. D'où je suis béni, tout dans le plateau Mokala, dans le lundi ban, sur le plateau de vérité. Toutes mes excuses pour Narita. Commandeur, que le bali Kambouya, la victoire à l'Opar à l'Obi. Peut-être qu'on place un mot, victoire à l'Obi-Zéro, l'Opar à Zaki dernier, a commis premier dans la poule là. Et pour la Ronza, on va jusqu'à là, on va qualifier dans le tout un match à l'Obi, match à l'Obi à Soudan, on va qualifier. Dans l'Anda qui match en appel, dans le Bokebi, dans le monde, il y a un Congomani et Bélé Bassépéli. Dans le monde des réseaux sociaux, Bébélé, Bazo, Salaïmo, Balobi, Université Akara, et clôturé année, Balamoro Léopard a gagné match. Balamoro Bazo match. Donc je comprends que nos amis, les compatriotes, sont contents de cette victoire. Ça fait un bout de temps que nous avons perdu le match, moi et Bélé. Aujourd'hui, quand même, Torum Gozong est là, et Sika Nabisso, et nous demandons à l'entraîneur et à la ministre et à sport, va maintenir Ella Oyo. De façon que Léopard Nabisso, le Messana ou qu'elle est tine bakar des finales, demi-finales, pourquoi pas les mêmes à la finale. Mais malheureusement, depuis un moment, Tourman Kozara a éliminé la banine. Qu'on fasse des poules. Et c'était dû peut-être aussi, la manque à technicité, il faut aussi reconnaître que Serge Kone était nul à la tête de ces ministères-là. Il nous a posé beaucoup de soucis parce que Yemoko et Aguinano affairiste. À côté ici, à faire un rat à balai. Comment expliquez-vous, cher Trésor Kalafay, que vous êtes ministre et à tutelle à sport, Maninga Bagende Obeta Bale, Yoko Tchan Negonou Babillé, c'est ta soeur qui vend billets. Negonou n'a déca Babillé, Negonou n'a sa l'agence. Donc tout ça, Kop Kakanakati, et lui-même arrive, il s'est promené avec l'argent cash. Il va jouer. Alors qu'il y a des services habilités à rouper ça, mon soir, qu'il va foutre, comme ça, avant, je vais à la morale, tellement, pour Babé, ta balle est malade. Mais malheureusement, c'est un ministre qui nous a fauché. Match moins belé, les lotos 8 techniciens, mais Naroga sous au Congo et Bandimaka Motote. Naroga va trouver belé par le bâté. Et puis, quand je suis en discipline, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Ministre, a quand même côté la fédération Nyon Soana, a tika la kaka na mambo ya football te, a tika la fédération Nyon Soana, et je pense, comme yemo aza technicien mambo sport, certainement, il s'est aussi bien entouré, na bato ba discipline Nyon So pour voir comment résoudre, n'est-ce pas, les problèmes dans chaque secteur, pour tout quand même, comme on a côté trophée foot, côté trophée ya tennis, côté trophée boy, et ça, là, que notre sport en général est important pour la madame. Le bureau est bangi sangai, na rejoindre Gauthier, et l'autre est bangi sangai, tianga mali, nanzoto. Négligence, il y a ministre, il y a Kalakonde, na makambo itali, sport, tout balé. Pas joué, bah, au kendaka compétition à mon aîné, aux UR Kassai. Au côté ici, ma joueur, na kati à Antonov. L'avion le mieux qui ça, ça, et ça, c'est ce qui est Maroc. Depuis quand cet avion peut faire autant de distance? Avion comme il a Congo, Brazzaville, Colo, avion est consolé. Parce que le sambo à Souka. Moi, j'ai un frère qui était joueur, à Zagina Katibuna. Abinangai, n'a sambé le sambo à Souka. Non, mais tout n'est pas là. Avion Zongi en cascade, les papous n'a sait, Moussou, les Colo. Non, mais écoutez, c'était vraiment la catastrophe. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit mon ami. Et je crois que cette fois-là, au moins avec Kaboulo, les choses peuvent bien évoluer. Et surtout, que Kaboulo a vu Nangaï, mais il faut le dire qu'à un moment donné, tu as eu le rôle à la diffusion, il y a RTNC, Kota Sokiwapi. Et le nom du ministre a été cité. Je ne sais pas si ça a été abusivement cité. Mais pourquoi le match n'a pas été entièrement diffusé à la RTNC? La bande de Plaswana, c'est pourquoi je dis. Et les ministres leur demandaient des comptes, et les ministres des sports, et les ministres de la communication posaient la question aux responsables de la RTNC, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui est commis à Rabou, il est qui? Il est commis normal, l'homme est en haut, tu es en premier mi-temps. L'homme est en premier match, tu es en haut, il s'est forcé, il a mis sous rapport, que l'argent a été détourné. Il faut voir clair sur ce qui s'est passé.
Donc, il y a 90 minutes, il y a 70 minutes. Il y a 20 minutes. Pourquoi il y a des gens qui ont joué cette chose belle? Avant de faire un sujet, il y a des gens qui ont régi, tout le monde, il y a des gens qui ont été corrigés, Mikanda, Mazo, Namonga, Fula, côté où nous avons des verbes à l'ouzou, nous avons des gens qui ont été appelés à Baba, Bala Monga Fula, ok. Boyakani toyokana, tolukande solution ya Congo. Togunda peko swana swana, nakati na biso lelo totika. Merci, wana toti kolanda Roger Mikanza Mazo. Toke nan feto matata ponyo. Dou Jésus Benedito bandana yo. Matata ponyo interdit. Matata ponyo dénonce. Deuxième réplique. Président, c'est qu'on clôturait en fin de dimanche matata ponyo. A joué quand même un peu pour nous à Kenangambo et à Ituri. Est-ce que Ndenge, président, c'est le bayango matata ponyo sera l'inga se faire santé moko politique. A l'inga sa posa ba buzz na ye. À l'occasion, président Sazakana même mis de la DGM, mais la DGM, le bien à matata pour nous simplement à Bouyaï qu'on s'est conformé, mais matata ça pour réclamer carte à sénateur Naïe Ouyou, bah saisir jusqu'à présent. Mais au moins, matata pour nous d'abord pour poser les bases à comment le rôle à Ouyou Zaïko et Yimbara, Moutoua Swana Nyoka, à comment au Banga Bang, à comment au Banga Moussoumé, matata pour nous, Roumassoga au Tambola. Et que moi, il y a ombre na e mon ami, Akimi. A quoi que Kim a une ombre na e? Conscience na e. Ils ont reproché les télés. Ils ont reproché les télés. Ils ont reproché les télés. Et Banda Oana, tout ce que ma tata fait, il ne fait que se victimiser. C'est-à-dire, depuis qu'on a eu plusieurs rapports, Makamba Bukangalonzo, Makambo Yaba, avion à l'Okuta, Somba avion Istanbul, 20 ans, jour à l'inauguration, Pumbu, il y a ça la crash des Zongi. Depuis le rapport de l'IGF, d'Ernest Nyang, etc., Matata Ponyo, tout ce qu'il fait dans la vie, il se victimise et il trouve anomalie Moko, il trouve quelqu'un pour aller à Tissaé, chapeau. Et donc, ce qui s'est passé, mais c'est clair comme l'eau des roches, que c'est une farce. C'est une farce. Ma tata est dans une logique d'embrouiller la République, d'embrouiller les Congolais. Je vais vous dire, il va au Sénat, et bien il est noté, à qui est le Sénat, à qui est dans le gang de la Baati, il y a même un fond de pour que les militaires ne soient pas. Bon, c'est bien, mais. Non, il y a un fond de l'eau, 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 il y a un fond. Mais le bagage de complicité, c'est là la silissa. La complicité est la justice. Et d'ailleurs, on a des gens qui ont été pourtant acquittés. Le Sénat, tout à l'heure, qui a été en direct. Qui a acquitté Matata Ponyo? Dites-nous. Qui a acquitté Matata Ponyo? Quelle institution a acquitté Matata Ponyo? La Cour s'est déclarée incompétente. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Encore que les juristes, quand vous posez la question aux vrais juristes, on vous dit effectivement que cette justice, cette décision-là, il faut la revoir. Et ça ne sera pas une première, du fait que la Cour s'est déclarée incompétente. Ouais. Ou bien la Cour a révélé la décision, là, il y a une jurisprudence.
avec les décisions validées, invalidées, réinvalidées, réinvalidées, les députés qui mangent du riz au parquet, etc. Je n'entre pas dans ces décisions-là. Mais ce que les Congolais attendent jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? C'est un procès. Et donc, ce qui s'est passé au niveau de la DGM n'est pas la justice. La DGM n'est pas la présidence. La DGM est une institution à part entière autonome. Ce qui a créé tenir moto. Mais soit il y a une irrégularité, soit il y a un contentieux, et que la DGM est saisie. Vous avez suivi les communiqués de la DGM. Il n'en est pas le cas de ce que raconte M. Matata Ponyo. La preuve en est qu'il est où? Où il est aujourd'hui? La présidence a dit, ceux qui voulaient vous faire une santé financière et politique, faites-le autrement que de chercher des subterfuges ou se justifier la combo à l'institution, la combo à battre. Et donc, c'est mensonge. Mais quand on a dit à Sénat, moi je maintiens aux déclarations de la DGM. Mm. Vous avez tous suivi ces déclarations. Alors de quoi parle Matata Ponyo? Et de la présidence de la République. Il dit, non, c'est une décision à la présidence, il y a DGM, Takangaki, etc. Il va de coq à l'âne. Mais on ne peut pas construire une notoriété politique sur des mensonges, cousus des fils blancs en plus. Et donc, le pays a beaucoup à faire. Il ne faut pas se fier dans des débats comme ça. Moi, je pense que les vrais débats, et le jour où il y aura un procès. Merci. Et ce débat, il y a Akenda qui va kanga, qui va sala, qui boye. Vous êtes en train de faire des mêmes politiques, des géants, simplement parce que les Congolais n'ont pas besoin d'entrer dans cette distraction. Merci. Gauthier C, Matata Ponyo, selon DGC, un grand menteur. C'est du mensonge. Voilà. Parce qu'il a fini par voyager le dimanche. Et pourquoi que ça la maquillé les gens sur ça qui ont. Mais Matata Ponyo parle lui que quatre n'est à Sénat jusqu'à présent. Déjà, Makangi Yango. Oui, ici, il faudrait qu'on reconnaisse que depuis un moment, Matata ne fait que se victimiser, ce qui n'est pas bon. Et on n'apprend pas l'opposition de cette manière-là. Je considère que Matata Ponyo n'a pas des nerfs pour faire l'opposition. Et il a compris qu'il ne représente pas grand-chose dans l'opinion. Et à tout moment, il a sympathie à Bakongomani, mais comme ça, les victimes de la République. La victime de la République, j'allais dire. Alors que dans ces pays, nous avions connu des opposants comme Gizenga, Etienne Tshisekedi, Basala Bangoba, Nkoya, Ndenge, Ndenge, pour des petites choses comme ça. Non, à cette époque-là, d'ailleurs, les militants, là-bas, le programme, là qui n'est pas leader, et ils étaient en connexion permanente avec les cellules de base. Et là, comme militants ne pas militants ne pas ça ne s'est jamais fait à l'époque de Gizenga, ni de Etienne Tshisekedi. Les pères, il y a opposition, il y a Mboka Oyo. Et maintenant, même Martin Obazanae, ça, Martin ne l'a jamais fait. Matata est toujours dans ça. Victimisation sur victimisation. Alors que Matata Ponyo, non. C'est là où je viens aujourd'hui de faire ma conclusion. Était Matata Ponyo en soi, sur le plan scientifique, lui-même, il n'a pas assez d'atouts. Donc, il s'était mieux entouré à l'époque, mais c'est Léa Langouli, qui l'aidait à pondre des documents scientifiques, et bien, côté Kaye, comme un scientifique, un technicien, un technocrate. Aujourd'hui, nous avions compris que Matata Azanekaka n'a pas tape-œil. Tala, ancien premier ministre, pour avoir été ancien premier ministre, avant que j'arrive à un ancien collègue, mais a eu méandre politique en Boko Anabiso. A eu ma coulisse, a eu ma cambebele. Il ne doit pas se comporter comme Martin Fayulu qui n'a jamais géré. Non plus comme ces Sanga qui n'a jamais été premier. Un premier ministre, le chef du gouvernement, c'est presque le chef de l'État. Aïbi Makambo est belé. Donc il devait être ici, dans ma tribune, dans ma sa proposition, dans ma critique. Mais il y a ça là. C'est ça l'attitude d'un homme d'État qui a eu à gérer la République. Oh, il y a que ça là. C'est comme. Excusez-moi. Il se recherche encore à accéder à ma fonction d'État. Alors que Matata a été DG, ministre, PM. Donc, quand Matata sort pour Aloubali Kambo, et c'est une critique moko fondée, c'est-à-dire que ma critique est un régime mal à l'aise, et un régime mal à l'aise, parce que Ayebi a bêti là, il faut taper. Mais malheureusement, il est dans les sensationnels. Est-ce que, n'a épousé thèse, il y a présidence, ou est-ce que Matata a recherché santé politique, ou n'a compris tout simplement que
tous les documents scientifiques, tous les textes sur les pondre biso, et ça n'ont qu'un entourage. Aujourd'hui, qu'il est seul, entouré, il y a nouvelle recrue néwana ba politique, il a perdu ba tête passante nyon soana et qui n'est plus en mesure de sa biso, c'est que nous on a autre année qu'on a repé sa biso quand il était premier ministre, quand il a quitté naba début naïe, il a imposé quelques DG, c'était un scientifique. À tout moment, tu as mon ami Kande Kobima, ma proposition, ma critique m'a refondé. Mais qu'est-ce qui a ici converti ma tata à Pony? Qu'est-ce qui a converti ma tata à Pony et comme ici la sensationnelle et comme qu'on discrédité? Dites-moi un peu, on vous a refusé le voyage le samedi, c'était quelle date? Le 18, Bozuivol. Mais éviter ceux qui n'ont pas voulu les réguliers. Et puis, ceux qui les ont réguliers, bien sûr, qui. Il a fait goma, moi, aux gens. Ceux qui ont loi qui n'ont pas. Est-ce que, Balamoko, Décalaki, tu as vu qu'il va voir la vie sur un billet, il faut se montrer. Il faut zéler la personne, il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Rapidité à l'Olingewana. Mission Sotokwe, la BNTR, Mboka, tu as vu Nenge, vous les amants passent. Donc, je considère ici que Matata Pogno doit prendre les Martin Fayoum. Martin Fayoum a été victimisé dans le lingue OET. C'est ça aussi la conséquence de la politique après avoir géré et puis au commis richissime. Aux autres bangs, et l'autre m'kebwe, n'est-ce pas, il y a des lobbies, ombre n'est-ce pas, m'kebwe, ah, Babylon n'a pas été là. Ah, il y a des lobbies, il y a des lobbies, il y a des lobbies, mais il y a des lobbies. Donc tout le temps, tu es attaché, n'est-ce pas, n'a pas bien accumulé tant que vous avez une fonction de la République. Il est important et qu'il a affronté, n'est-ce pas, le régime. C'est ça l'opposition dans notre pays, Awa, en Afrique. Ça n'a pas commencé avec lui. Et d'ailleurs, il n'a encore rien vu. Ah, à la longue. Que ça. Il y a ça, je vois balayer sur Vimbi Boy. Je vais finir, je vais chiter. Donc, Awa, je voulais aussi placer un mot, comme au côté de ma maman et opposant, sur le dernier voyage à Martin Fayoulou. Les États-Unis d'Amérique. Martin Fayoum se retrouve aux États-Unis d'Amérique et va demander des sanctions pour 5 personnes. D'une manière officielle, les Congolais vont faire des démarches. Martin Fayoum a pris des presse pour le après-midi. Non, selon Mokano, et puis la source proche à Emoko Mafa, on a appris qu'à 5 ans, il y a des sanctions. Les bandes d'Ambo pour 5 personnalités, notamment Denis Kadima, Général Kassongo, Nicolas Kazali, Augustin Kabouya, et le secrétaire exécutif Yasséni. Mais malheureusement, on a vu que comment tu sais qu'il y a des sanctions. Alors que tous ces gens-là, les autres avec sous régime, il y a Félix Tshisekedi. Et votre sanction qui est c'est vrai, c'est le droit le plus légitime de tout Congolais. Où la monnaie était, il peut saisir l'instance internationale. Mais malheureusement, il n'y a pas de soubassement. Non, mais l'explication à Batoua Tangezali, peut-être qu'il n'y approche pas encore grand-chose, mais tu sais qu'il y a un tchèque. Mais attendez. C'est pas ça la logique. Mais pourquoi Kassongo qui réprimandé la marche. Mais pourquoi la demande a été déboutée? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de soubassement. Tu ne peux pas te lever un matin où il y a la police, n'est au fond d'un Jésus Bénédou. Tu dois apporter des preuves aux arbres accablés de Jésus Bénédou pour dire qu'effectivement. Et je vois la preuve, non, mais moi, là, vous allez. Donc, ça doit être fondé. Voilà pourquoi je n'ai pas de preuves fondées. Donc, c'est pour dire ici, ils ont droit naïf, mais malheureusement, ils devaient se ressourcer, constituer un dossier sur chaque individu avant à qu'il ait porté plainte. Donc, au lieu que Assad va. Et bah retour à Mabé Bongo, ça discrédite même, n'est-ce pas, action et la politique n'a tant qu'opposant. Merci, de Jésus. Vous voyez très bien que la preuve dont parle Gauthier, c'est ici. On ne fait pas les procès de l'opposition ici, mais il faut le dire que Martin Fayoum a toujours souffert et a suffisant, surtout carence, il y a preuve. Il a dit à qui veut l'entendre qu'on l'a volé la victoire. La Cour constitutionnelle a bien dit ici. Il y a la preuve. Les preuves non fondées. Parce qu'il s'est confié à l'église. Il pensait que l'église catholique allait faire la mission d'observation pour Naïba. Il n'avait pas de preuves. Et il s'est fourré dans une confusion à Emoko. Au Yébi, que Martin Fayoum, tout le temps, campagne électorale en 2018, il m'a demandé maman na Bumba. Alors, il s'est occupé au centre bureau de vote. Hôtel Mopandi, on a une machine à voter. Qu'on votait la machine ou en a été, et à l'étricherie, votait la papier. Tant aux yeux au Kéi, maman ou en a, à Kangan, à Kangira Moutounaï. Ah, machine est allée à. Bah oui, bah voilà. Oui, bah voilà. Ok, après tu vas te plaindre.
Et pendant parlant de cinq sanctions, je suis dans chité wana mwa mamba, tant que cinq sanctions. Ngai lo ce qui singa makasi. Le kuta. Comment vous le baké? Ba bengai ba boy OIF a audité fichier électoral. Mais le kuta monnaie, on dit qu'il y a ta loi à mon côté, tout ça, ba journaliste. A ta loi à mon côté, ils ont obligé dans la CENI. Audit affiché électoral et les canaux OIF. A ta loi à mon côté, mon côté. Non! C'est bien là que ça rappelle d'offres. Aro qui est dans ma institution. Aro, c'est sérieux. Sérieuse plutôt. Et donc, ma tête fait un contenu dans le lobby bureau. D'abord, je confirme ici que ça m'a ramboué solo. De source et à CENI et à la MF. Ça m'a ramboué solo. Tant que je suis comme les patates chaudes dans ma boco, je suis comme ça. Mais il m'a ramboué solo. Quand vous dites par exemple que. Bah parce que si OIF, mais puisque tu as dit que OIF faisait appendice à Kagame, Kagame est monté organisé par une élection stalinienne, il est moins 98%, on a 9. Mais il s'est permis de critiquer les élections à RDC. Et a dit que mission observation est menée par Mouchikwabo, Wandez, a prolongé, bah on sait le rapport, bah on peut bah retient moto, mais puis question électorale est diffusée à Rabisso. Mais l'OIF est monté à Kéi. La Seigneur l'ancienne en tête d'offre. Oh, l'église catholique. Ayez, qu'on souscrit. Si Kawa, Baboy, dit toi. Oh, actuellement, ce qu'on conserve, Baboy, Union européenne et audité fichier électoral. Mais tout ça dit trois cycles électoraux dans Bogo. Depuis quand l'Union européenne a audité fichier électoral? Bah, il y a la mission d'observation électorale. Oui, il a coûté à bon moment, il y a des batailles, Baboy, ah, ma faim. Ça ne sert à rien. Abaye, parce que si tracte na yewana. Si kawa, pour la macambouta liba marche. Tezela na loba. J'interpelle le régime de Tshisekedi. Botika coupé sa flanc na ba opposant. Laissez les opposants marcher. Quelle a été la raison pour interdire Katumbi de ne pas aller dans les bas Congo? Non, moi je n'arrive pas à les comprendre. Nah, quelle est la raison pour Pekisa qui batte ta pomme ou mette au yoga qui a ça le discours a été na ceux qui popo kabaka ceux qui wap. Quelle est la raison qui peut faire que va empêcher opposition à ça la meeting naé à ouate na ni n'est pas à mobile. Intéressant. Le 24. On a changé les dates. A décalé qui va avoir les 17 qui vont voir les représentants qui passent dans les médias. Laissez les autres. Oui bien. Je vais chuter par cette phrase. Délice Sam, Moïse Katumbi, Matata Pogne, na Martin Fayoul, les trois, les quatre réunis, Basali marche, Liboso ya Seni, poignée d'individus. Sitting marche, ou quoi, c'est quoi non, que ce soit. Non, mais il y avait répression. Quoi que ce soit. On les a... Il y en avait aussi on au les... Sénégal. On les a pris. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Réprimande Wale Sali, plus de 27 morts. Mais regardez la mobilisation. Un seul individu. 27 morts. 500, c'est ça. 500 arrestations. 500. Au moins, une cause de la population, ce qui est bien, c'est la cause de la politique. Vous avez constaté au Misababisset. Vous avez constaté au cause, j'ai ramassé les douilles. Au comme expert en balistique. J'ai ramassé les douilles. Non, c'est là où j'ai dit. Il faut que ça interpelle. Il faut que les opposants se prennent au sérieux. Il faut aussi que le régime joue sa partition. Okay. Connaissant les poids politiques. Parce que les Congolais ne peuvent pas se dresser derrière la cause de quelqu'un sur qui des graves soupçons de détournement continuent à peser. Je ne dis pas qu'il a détourné. Mais les soupçons de détournement sur 300 millions de dollars à Bukangalo continuent à panier. Et c'est quelqu'un comme ça qui va manifester contre la vie chère. Vous voyez pourquoi ma Congolais va beaucoup adhérer à la cause Zouana. Donc, mais cause Fayoul, là, c'est salir bah, à... Mais justement, mais certains sont retournés. On dit que dans tout ça, c'est Fayoul le grand perdant. On dit que Fayoul a vendu, son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse à Katumbi, simplement. Au regard de son poids politique et à quelques mois des élections, vendre son droit d'aînesse politique, ça risque de lui coûter l'élection en 2023. Et donc, c'est un peu ça l'opposition. Malheureusement, j'ai envie de dire que l'opposition aujourd'hui fait pitié. Merci. Côté c'est Kabila P à Zungi en activité. Kabila a rencontré Ayambaki plutôt ba Bandeko ya FCC, PPRD, Bangonyon son Mokolo ya vendredi. Résister face à la multiplicité, à violation de la constitution, il faut résister. Oui, Kabila écoute. Maintenant, vous rencontrez Muninga Nangaï Bédédouka, il dit que
Les quatre ne font pas le poids. Il faut bâtir un bon marché. Moi, j'ai dit c'est faux. C'est une lecture biaisée. Comment ça, ils ne font pas le poids? Vous n'allez pas quand même ici contester la popularité des Mafa ou des Katumbi. Les deux, je peux encore comprendre que les deux autres, c'est Sanga et Matata, ils sont encore sectoriels. Ce sont des leaders sectoriels. Ils sont reconnus dans un coin. Mais Martin et Moïse, ils ont quand même atteint une dimension nationale. Ça, on ne peut pas les refuser, cette popularité. Mais d'ailleurs, j'épouse la thèse de dire que et c'est le régime éthique à Bangoba marché. Bah, répression au sanglant tout au Boyango depuis Kala. Et aujourd'hui, mon cher ami, tu ne peux pas ici sur un plateau de télé parler de 27 000 morts ailleurs, 500 000 arrestations. Je n'ai pas 27 000. Je faisais le parallélisme. Quand tu as dit il y a eu répression, j'ai dit c'est pour dire, ici, il n'y a rien eu. Mais nous ne voyons pas ça. Ah. Ici, on a connu plus que ça d'ailleurs dans le passé avec Étienne Tshisekedi. Et nous ne pouvons plus revenir sur ça. Nous devions évoluer, étant donné que le régime aux hommes comme Babiso de l'eau, et ça régime, n'est-ce pas, au Routine à 4, il y a opposition. Donc nous devons ici, marcher Salemé, nous comptons zéro mort, zéro arrestation, tout simplement parce que ceux qui sont au pouvoir, Yébi, c'est que c'est Nini, valeur à démocratie. Donc, venir ici dire qu'ils étaient devant la CENI, la plainte est à la poignée, mais il y avait répression. Moi-même, je suis descendu sur place pour en couvrir. Accès avec moi, pas si. Même pour les journalistes, certains ont les bâtis, les bandes, les cotatés. Aux hommes, ils ont les bandes, les gamins, les TV, ah, on a une autre cas. Mais moi, je suis en TVT. À tout le monde, non. Mais les RTNC, OT, ceux qui. Liberté, OT. Allez, on va voir là. Donc pour eux, ils ont un média officiel. Donc ce n'est pas bon. Il faudrait ici, après, on a mis tout ça dans le régime, où il y a une opposition, où il y a une victime. N'est-ce pas? Il y a Abu Obama Tata, ma salle, quand ils étaient premier ministre. Obama Tata, il y a le Batama Moussous. Écoutez, Matata, c'est que Matata est en train de vivre aujourd'hui. Lui n'a pas fait ça. Il a sémé ça. Il était ministre des Finances. Il était premier ministre. Matata vous a dit dans une lettre, oh, il moi combien ministre des Finances. L'actuel. Alobi, à l'époque, j'étais PM. Tu es venu me voir pour un problème de ta parcelle. Tu avais un conflit parcellaire dans un membre du régime. Tu m'as demandé d'intervenir. J'ai intervenu. Donc, il a commencé à instrumentaliser la justice pendant qu'il était PM. Ça, vous trouvez ça normal? Un monsieur comme ça? Vous voulez que Bissoto va manier? Tout le monde dit même opposition, le loto va être bon, non, écoutez. Kabila, s'il vous plaît, il a sémé ça. Et ça, malheureusement, eux, ça n'a pas passé. C'est sous les régimes du fils du Sphinx délimité. On continue encore à parler des bavilles, on continue à parler des répressions sanglantes, on continue à parler des blessés, des arrestations. Ça une minute, Kabila, une minute, Kabila, ok, la Maramba Kinshasa. De trois. C'est là où j'ai dit, tant que tableau, n'y a pas de copain. Alors, pourquoi on interdit à Matata d'entrer au Bas-Congo? Pourquoi on interdit à Moïse, à Matata de retenir le meeting n'y a pas? Vous comprenez ici que la plainte principale, où il y a Martin, et c'est vrai qu'il y a trouvé en nous, Nafeli Tshisekedi. Parce que c'est les gouverneurs qui ont refusé les entrées par-ci-par-là. Ministre intérieur, ça allait pourquoi, président? Mais non, le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans l'entité Wana. C'est une décentralisation. Tant qu'il représente les chefs de l'État, donc tout ce qu'ils sont en train de faire, donc, ministre, Augustin, Batosha, il est basé dans le second plan. Mais quand il y a la plainte, quand il y a un avant-plan bateau 5, quand il y a Félix, je me dis, procéder à ma femme, pour éviter ceux qui. 30 secondes, Kabila. Kabila a sali rentré, résister, il n'a pas commencé à demander à ses lieutenants de résister, Lélo. Abandonner le bambou, Lélo. Abandonner aussi un bon résistance. Va résister face à débouchage, va résister face à transhumance. Mais malheureusement, les plus kabilistes, bambou, va sali transhumance, Lélo. Ce sont les plus transhumants aujourd'hui qui se retrouvent avec Félix Tshisekedi. Et tant que moi, je pratique ma méthode et ma répression, ma méthode et ma tchémarche, c'est les Ngobila. Tous ces kabilistes qui se retrouvent aujourd'hui aux côtés de Félix Tshisekedi, qui sont en train de reprendre les mêmes stratégies, et même Kabila a sanction. Oui, mais Kabila, n'est-ce pas, l'État n'est pas à sanctionner, va tout couffa. Malheureusement, Félix ne comprend pas. C'est avec eux qu'il est en train de faire. Nous ne disons pas ici que les appoignés vont comment il faut qu'on rejette. Donc, quand Kabila dit résister, vous retrouvez aujourd'hui Kabila face à Garimé, face à mes amis Jimmy Kitenge, Papi Moussa. Donc, il y a un boulevard. Tous ces caciques-là, pour bloquer Nzela. Pour Babilingue, on a Kabila T. Quand on dit Kabila en otage, mais le Batiki Bouva, c'est le FCC New Look. Donc le FCC New Look a besoin encore de l'idéologie et non de résister. Merci. Ceux qui devraient résister, qui ont appris l'idéologie pendant les 18 ans, ils ont cédé. Mais les nouveaux recrues, les nouvelles recrues plutôt, ils devraient
commencer par les enseigner l'idéologie. Merci Gauthier, c'est de Jésus. 1 minute 30, ton côté à Kinshasa. Kabila demande à Batner de résister et à Roloba. Oui, je précisé donc que quand je faisais allusion aux 27 morts au Sénégal, c'est quand je dis Gauthier a trouvé comme argument à l'obi. Ceux qui ont moni Batouana, bah, qui m'ont quitté pour la répression à la question à la vie. Nena expliqué qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la répression au Congo, soyez logique envers vous-même. Parce que Batouba est à l'Arabie Saoudite. Il n'y a plus de morts. Et ça, là, par rapport à Mouta Tamboula qui marche à revendiquer quelque chose. On a aujourd'hui des gens qui marchent en limousine. Aïna limousine, aïna Tamboli. Et s'il est à Zomni. Mais pas à Kaesango, peut-être. Tshisekedi lui-même devant, sans rien, protégé par les Jacquemin Chabani, Martin Fayoulou a marché. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a des avancées significatives. Quand je parlais des 27 morts, c'est pour vous dire qu'on a toute répression et salée. Ce n'est pas pour m'enorgueillir des morts, comme j'entendais Prince Epengue ce matin. Sa mort na kale, nini. En fait, c'est un fonds de commerce pour les opposants. Moi, je ne suis pas sceptique à ce niveau-là. Et donc, je vous dis. Vous parlez de répression, oui, mais regardez ce qui s'est fait au Sénégal. Il y a eu des morts, mais les gens ont marché. Ce n'était pas un obstacle pour eux. Mais quand vous parlez, vous dites les régimes Tshisekedi, il est plus pire que vous voulez les présenter ici. Mais monsieur, je vous donne, monsieur mon ami, bien évidemment, je vous donne l'exemple de la France. Actuellement, nous sommes en 21e siècle, en 2023. La France a bastonné les gilets jaunes. Les blessés. On a vu des images. On a tiré gaz comme ça à bout portant aux gens. Il y a eu des arrestations, plus de 300 en France. Nous sommes en plein 21e siècle. Et donc, nous ne sommes pas au paradis pour que quand il y aura marche, qu'il n'y ait pas des mouvements, des ratés. Des ratés, non. Mais au moins, on reconnaît que la situation s'est contenue. Pour Kabila, Maramba Kabila Olobiao, j'ai vu la sortie de Kabila. Pour moi, c'était un non-événement. Ça fait depuis 2020. Pour moi, c'était un non-événement. Pour un journaliste averti, c'est un non-événement parce que Kabila s'est confié déjà à plusieurs personnes, aux diplomates, etc. Lisez l'article d'Afrique Intelligence. C'est vrai que l'article est sponsorisé, mais il y en a qui avaient pris, qui avaient copié, qui avaient partagé, comme moi. J'ai vu ça dans les sites officiels d'Afrique Intelligence, qui est un média qui était très hostile vis-à-vis de Kabila, et aujourd'hui encore très hostile vis-à-vis de Tshisekedi, par rapport à la prise de position qu'on parle de la RDC. Cet article-là parlait déjà des tractations de Kabila avec les ambassades. Il déplorait, selon lui, le fait que le FCC, tout ce qu'on vous avait appris là. Et donc, cette sortie, moi, ça ne m'étonne pas. Mais seulement, aujourd'hui, la monnaie Kabila Bimi à Loba. Bon, il a laqué à Koloba. Mais lorsque Kabila parle de la répression, lorsqu'il demande aux gens de résister, lorsque violation à constitution. Violation, etc. C'est vrai, Bévu et ça, le régime à Tshisekedi, oui, on l'admet. Et ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais l'arme que lui-même a utilisée pour tuer les gens, si ça se retourne contre lui, qu'il laisse au peuple congolais. L'option de prendre des sanctions contre le régime Tshisekedi. Le message de Kabila peut être bon, mais le messager pose problème. Le messager, c'est celui qui a bastonné les églises. Le messager, c'est celui qui a été au centre de plusieurs scandales de l'Union africaine, de l'Union européenne, etc. Je ne reviens pas sur tout ça. Et quand il dit aux gens de résister, il doit regarder le passé, son passé, avec les actes qu'il a posés, les glissements voulus et tout ce qu'il a amené comme basse désordre au pays, et je crois que ça doit beaucoup plus le renseigner. Je vais chuter par dire ceci. Émile Bongeli, le professeur. Un cacique, il est professeur, un cacique du FCC, je ne sais pas s'il est encore avec Kabila aujourd'hui, un professeur, un éminent professeur, il disait déjà en 2019, je me rappelle la lettre, il a fait une tribune, une lettre même, il disait, Kabila a laissé le parti être géré par des gens qui sont amateurs. C'est pas Benedou qui l'a dit. Amateurs, populistes, des jeunes gens inexpérimentés, et ce sont ces gens qui sont consultés aujourd'hui.
Le malaise est venu de là. Bungeli qui l'a dit. Et donc, quand Gauthier a dit sur ce plateau, qui était dans les précarés de Kabila à sa sortie? Mais on a mis au garage tous ces vieux. Kabila lui-même, il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Yomoko Kamati Batu, Olivier Barou, attrapé par l'histoire. Olivier Mabunda, Olivier Babatamwe, Olivier, je ne suis pas un agneau, Enani. On ne peut pas nous intimider. Je n'ai pas aimé. C'est-à-dire, tu abandonnes tes caciques, c'est pas, tu abandonnes Bongeli. Papa Bongeli, j'aime ton loba qui a été. Ou abandonner Papa Bongeli. Pour remplacer la bateau, yo yebi, la routanga va combo à te. Machadari, va faire n'a pas. Bateau, yo yebi. Va faire n'a pas. Et donc, vous ne devez pas vous étonner aujourd'hui de dire que. Bakimangaï, non. Commence par répondre à la tribune de Bongeli par une tribune, par une lettre. Pour la ligne de Bissot, qui est Nagibo. Merci. Et donc, c'est tout à fait logique. Et moi, je pense que c'est un pétard mouillé, la sortie de Kabila. C'est vraiment un pétard mouillé, même s'il faisait des déclarations. Ça sera encore un autre pétard mouillé parce que les Congolais ont besoin du développement du pays. Ils n'ont plus besoin de revenir sur des gens qui ont endeuillé leur pays. Invité Téspectateur Moral Bozali, prophète Maramozo Loba, Mingi Penza Yaïda, on a dengue Mingazo Monzo Koki, ça m'a invité. Téspectateur Moral Bozali, prophète. Bon, d'où Jésus, prophète, vraiment l'église, vraiment vous a somme, on l'a gavé en limite. Kinshasa, Gauthier Sey, d'où Jésus, ok, Kinshasa. 11 minutes, Kinshasa, je crois que tu as l'obé là. Est-ce que fier vraiment que vous allez dans le Congo, ou les lois sont interdites dans les députés provinciaux Koloba? Ou encore, dans le Congo, si vous êtes député provincial, et Sengeli Ozala, moi na bitinda ya gouverneur pose à la Kinya. Soko tombe ni mungongo, ba sanctionne la Dieu. Toke ina Kinshasa, tu veux ma gambezo de caramel. Toke pe na Congo central. Parce que le président Samé Provençal, à travers un député, ba tout na ba compte na gouverneur. 6 millions, 3 millions, gouverneur Moutaïbi. Mais mongo moko e bimake sali, mongo moko zoye na banque sali, nini leloyo. Je crois que le président Samé Provençal, Congo central, ça a moins de difficultés à rencontrer l'Assemblée. Mais à Kinshasa, le président demande des comptes à gouverneur, opacité à gestion, à relevant. Mais pour moi, je suis dans la Kinshasa, je dis Zando. Mbongo à Zando, il y a des sabis au saléli, yango, ndenge, nini, leloyo, président Bongo à Kinshasa. Côté, c'est au salé, il y a 2 minutes 30. Est-ce qu'il faut être, moi, on habite un gouverneur, pose à la l'aise, ou encore, aux amis, moi, on habite un peu, on ne va pas appeler sur le côté. Jour qu'on s'est décidé, on va partir au Liban. Merci beaucoup, Ndeko Trésor. Mais il faudrait ici, dans l'argumentaire, il y a Mouninga Nangai, monsieur mon ami, hein, monsieur mon ami, Jésus Bédébu, quand il dit un non-événement, pétard mouillé, même ceux qui ont lobby, ça sera un non-événement, ça c'est faux. Si Kabila se met à parler aujourd'hui, il ne parlera pas seulement comme un opposant, mais comme aussi un ancien président de la République qui aille à gérer. À commettre des erreurs dans le lobby, à abîmer les bandes avec un œil. Au bête, tu as des mots, tant que tu as un terrain, tu as un terrain. Au président du monde, le président d'Ami Foula. Mais tant que tu as abîmé les bandes à terrain, aujourd'hui, Misso et Kabila ont monné la gestion en Mboka. Ils ont été monné la quand lui-même est aux affaires. Quand on est aux affaires pendant 18 ans, 10 ans, et moi, Flumo et Kota, et on a monné le Baka. Si j'avais 15 personnes, on aurait développé. Donc il s'était rendu compte que il s'est mal entouré par collaborateurs depuis Mouman Enyos. Donc aujourd'hui, si Kabila se mettait à parler, donc ça sera un événement, une actualité qui peut tenir à peu le mois, dans l'actualité, moi, ma casse et à son amboka. Parce que la bah, question sur la sociale, il y a sécurité. La question sur la diplomatie. Où est-ce que tu as mis sur les lots? Ah, ça n'a maîtrise dans moi. Ah, il a maîtrise dans moi. Et puis. Il ne faut pas ici perdre de vue, mon cher ami, que parmi les Congolais les mieux informés, après chef de l'État, n'a pas corps d'institution, peut-être pas en akat, a une information malam, pas en canon, et la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui, l'administration, n'a pas service, ce sont des gens que lui, il a placé. Alors, bénéficiaire de la confiance. Donc, et bien, même pas confiance, mais ça dit que ceux qui ont posé l'information, à cause, ils ont accès à l'information. Okay. Donc, tous ces diplomates, bah, chancelier, union sur les lots. Oui, régime Asikezo Kota Kota. Il y a Kota na bemisane pendant 18 ans. Donc dire que Alo Balelo c'est un événement, je pense que les Tchouanan de Konanga. Il y a 1 minute 30. Il y a ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa et Pelimoto.
na kanisi bandaki na Mythic News na yuko yepa na yuo awa na bimisa mikanda wana au mona kitata Godin pour président assemblée provinciale à Kinshasa a commandé à 48 heures record mou retiré aux arrêtés d'administration congolaise 6 correspondances na 48 heures 3 le 31 3 le 1er juin et plus grave encore on a dit tata pasteur et pas à député journaliste et puis chante avec glissement Koulouba était les lettres là j'ai pas compris le lingini est fuité et fuité du pays et kendaki parce que j'ai refusé à mon circuit officiel au lieu de traiter mikana nangai et mon route mikana j'ai donné à un membre du bureau pour le côté que la gouverneure de trésor qu'a fait aucun d'autre donc ici j'ai fini par comprendre que c'était un problème personnel et naïb ça quoi était un problème personnel pour jamais oublier que saisir moto dans 48 heures et puis c'est mis en demain pas 48 heures avec 6 correspondances Neko. Et les 6 correspondances, les autres correspondances, ça pas battre. Et c'est que les motoana a 5 documents, a 5 années, a sa réponse à l'administration, n'est pas répondre. Mais au PC mise en demeure 48 heures. Mise en demeure 48 heures de trésor qu'à la faille, et c'est une question les 4 juin. Mais malheureusement, Godin Mobila a eu pour répondre Godin pour les 6 juin, avec un retard de 2 ou 3 jours. Malheureusement, mise en demeure à Godin pour Ikouyaki, Tomoni ou Godin pour la salité. Curieusement! Chef de riz, n'est-ce pas? Curieusement, pour une question de gestion de ville, où ils ont droit légitime à députer pour saisir gouverneur, pour qu'ils aient la réconciliation. Et y avait-il un problème personnel, privé? Mais on a qui communiqué à y a bureau. Par rapport à la réconciliation était dit à quoi? Parce que Godin n'a pas insulté Mobila. Godin n'a pas traité Ngobila, c'est pas moi. Il n'a pas touché à sa vie privée. C'était une question à gestion à Moka. Godin est président et organe de contrôle. Il est de son plein droit. C'est René na bureau, ton plénière. C'est Nabadou, Babani, Nina. Et après, Bani. Maintenant, ce que vous avez pensé. Et après, avant de ça, Ndekonangai, Muninga, Nangai, Maluba, au Pazar, on dit président Godin pour une erreur. Oh. Parce que c'est parmi. Non, non, aussi ça t'a aidé. Parce que Muninga n'a pas chaque dimanche à Tungsangai. Au lieu de la présidente, c'est le président qui a voulu te blâmer sur le côté chez ton temple. Il y a un conseiller. L'aîné des problèmes, c'est lesquels? Le problème ici, ce n'est pas la ville. Mon ami qui est en face, plusieurs fois, nous sommes retrouvés sur le plateau de télé. Autre soit on a une ville, les a mal gérés. Ngobila est incompétent. Ngobila doit partir. Muninga habite, lui, il a mal âme. Aujourd'hui, mon ami est conscient qu'il y a des fictifs. Godin Poy nous dit qu'il y a des impayements de 24 mois, de 18 mois. Ça peut commencer aujourd'hui. Mais depuis tous ces temps-là, où est-ce qu'il était pour Yéba? Pendant que nous étions en train de parler ici, député Moko Mike Mukebaye, allez, il y a 24 mois. Godin Poy est amoureux à l'élo. Et plus grave, Godin Poy va vous dire, l'émission est à Salati. Il y a 2 ans, j'ai remis les chefs de division pour leur dire que je n'étais pas d'accord dans la recette à Kinshasa. Et ils m'ont fait comprendre qu'il y avait des comptes parallèles il y a 2 ans. Et combien de chefs de division ont été sanctionnés? Merci. Y a-t-il une motion ou une question contre le gouverneur ou le ministre des Finances? Et Godin pour ce jour-là qui se réveille? Merci. Merci, merci beaucoup, Ndeko Kalafai. Ndeko Langa, il est toujours dans les firmaments. Il n'est pas à quel Amarama Bilamba. Alors on parle de la ville de Kinshasa. On doit mettre beaucoup de sérieux. Dans la région de Nona Makamwa Kabila, je t'ai dit déjà que Kabila parlera en tant qu'opposant. Exactement. Il ne parlera pas en tant qu'ancien président de la République. Vous savez pourquoi? Parce que si Kabila avait parlé en tant qu'ancien président de la République, les questions cruciales, il y a Mboka, ça ne passera pas dans les médias. Ça ne sera pas des actions tapageuses. Si Kabila devait être consulté, ça va se faire dans des canaux appropriés dans la institution. C'est un ancien président de la République. C'est un ancien président de la République. Mais si Kabila va parler de la situation sécuritaire à Kingakati devant ses lieutenants, c'est que Kabila fait le populisme comme opposant. Ça, c'est de un. De deux, pourquoi ça serait un pétard mouillé? Kabila choisit après 4 ans la porte à l'élection de Aloba à réunir Batounaï. Kabila n'a pas besoin des Congolais. Ils sont fous éperdument. Les 500 morts de Calais, pourquoi Kabila n'a pas parlé? Même pas un communiqué. Attends à mon côté. Comment attendre à Mukanda? Ça papitamba yino tanga on ne va papitamba lo batanga et tombala ki papitamba kuna kayi photo no se kade de la Kabila kana ta photo comment ta makambo pesa papitanga sala nous ça ne concerne pas Kabila 500 mots calé et ta liété akoloba oui drame de matadi akoloba justement parce que il y a des intérêts politiques
Et s'il veut parler sur Bukanga Alonso, s'il veut parler, excusez-moi, s'il veut parler sur Bounagana qui est pris il y a une année, il y a des canaux. Il pouvait faire ça en consultance, par des canaux institutionnels, et pas et non par des médias comme vous les prétendez. Mais quand vous dites que Kabila a composé, il a des choses à dire. Mais on a entendu les Tounda Yaka Sende. Donc on publié. Et là, voilà comment ils appelaient ça. Accord. Accord. On a vu une des phrases comme ça qui a circulé dans les réseaux sociaux. Mm. Et donc, ce sont des distractions, il faut que les Congolais réfléchissent. Je n'ai pas reconnu mon ami quand il dit « Plus grave, 6 correspondances en 48 heures !» Mais, mon cher ami, nous sommes quand même des journalistes très sérieux. Notre sérieux ne s'estime pas à nos cravates, beige ou chemise, je ne sais pas comment. Mais notre sérieux, c'est au niveau de la connaissance. Quelle est la loi au niveau de l'administration qui interdit à ce que l'on écrive à une institution 6 correspondances en 48 heures. Qui limite les correspondances. Mais qui limite les correspondances. Et vous le dites, tout sérieux, gravate, veste, mon frère ami. Vous dites jamais, il n'est jamais vu. Il n'est jamais vu où? Au Congo. C'est impossible. Dites-moi. Monsieur, vous parlez à celui qui a été plusieurs fois dans les institutions. Oui, mais dites-moi. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quand qui s'est tourné s'il vous plaît. Ah, message à Batoué. J'ai démissionné, je peux le dire à haute voix. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la parole? S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la parole? S'il vous plaît, c'est qui ça? Oui, vas-y. J'ai été chef de division à la DGPEC, Direction Générale des Publicités Extérieures de Kinshasa, où j'ai démissionné. Je puis mais vous dire, en tant que chef de division, c'est la haute, c'est le plus haut gradé de l'administration. Lorsque je devais écrire aux différentes agences publicitaires, je peux faire des correspondances 7 ou 8 fois en 48 heures. Ce n'est pas une faute. On nous suit chez les spécialistes, chez l'administration, etc. Et j'aimerais bien que mon ami me contredise avec un texte ou bien pas avec des affabulations ou des déclarations comme à l'église. Et donc, dire que parce qu'on a fait 6 lettres en 48 heures, jamais vu où. La DG peut faire un redressement à une société, dans 48 heures, il peut en prendre 10 lettres. Et sur plusieurs angles, bien évidemment, pas sur le même objet. Les lettres que Godin Poyakoumeli Ngobila, c'est sur plusieurs objets. Et je vais vous rejoindre. Eh, mon canal, monsieur, ça sur l'effectif. Lorsqu'on s'interroge dans la correspondance, comment expliquer que les policiers de l'hôtel de ville ne sont pas payés, t'il et l'eau, accusent des mois d'arriéré de salaire. Mais, on a la rubrique, Moro, on a mis au fouti ma garde du corps, il y a Kimbuta. Ancien gouverneur. Mais qui m'a dit que je suis un bon gars, je suis un bon hôtel. Bon, je suis un bon gars. Mais mon canal, il y a un conseil de la référence. Bon, il y a un bon gars. Wapi. Donc, tu peux pas. Ah, j'ai un bon gars qui est en assemblée. Je suis un bon gars. Mais tu peux pas la liste effective. Je suis un bon gars qui est en assemblée. Ceux qui ne travaillent pas sont payés, mais ceux qui travaillent ne sont pas payés. Mon canal, je suis un bon gars. Mon canal, je suis un bon gars. Il y a un compte parallèle. 1 milliard de francs congolais le mois. Et quand tu as dit, on a les jeunes. Et donc, il y a une fortité. Mais il faut tous avoir une redevabilité. Il y a une redevabilité. Il y a un kamati mbongo la banque qui est là. Pour la zando. Tel est l'osan de silité. Tout le monde a dit, ACP, rencontrer M. Godin pour y par ses arguments. Et il faut que je suis en arrière.